Bonsoir, on a ici Amélie, elle vient de la France, elle a commencé son voyage en Italie pour un mois et demi, et elle a commencé le voyage de Casale. Mais on posait des questions à Amélie, pourquoi tu voyages, qu'est-ce que tu cherches, des choses Le voyage, c'est peut-être apprendre à se connaître soi-même à travers les autres, c'est rencontrer des gens qui ont d'autres pensées, d'autres façons de voir la vie que ce qu'on a l'occasion de voir chez soi, et d'apprendre d'autres langues, voir d'autres cultures, d'autres façons de manger. Donc tu voyages pour connaître des choses, des cultures différentes et pour apprendre. Et qu'est-ce que tu vas donner à ces choses? Tu vas ser enrichi? Je pense que c'est appliquer l'énergie du voyage dans un quotidien, savoir qu'on peut aller jusqu'au bout, que en fait les galères du voyage c'est la puissance de la vie quotidienne. Ça va, j'ai assez exprimé tout ça ou... Comment trouver tu Casale Monferrato? C'est une ville sympathique, avec des jolies petites rues, des jolies petites maisons. Je n'ai pas eu trop le temps de voir, donc je ne sais pas. La bibliothèque est silencieuse. Voilà, qu'est-ce que... Tu as mangé des choses particulières? Du chocolat. On peut aussi manger un très bon risotto au myrtille. Amélie, une question. Qu'est-ce que tu peux apprendre de la culture italienne que tu as retrouvée ici? Tu as des choses que tu peux amener chez toi? La culture. Y a la fameuse machine à lait que je pourrais ajouter. Il y a... Ah oui, on a dit que tu as quoi? Je t'aide là quand même. En Lombardie, tu as rencontré partout des machines avec du lait. Tu peux expliquer cette chose? Il n'y a pas un Casale. Moi j'ai appelé ça Milk Drive. C'est une machine qui est insérée, c'est un distributeur de lait automatique. Les gens viennent chercher du lait direct de la ferme. J'aime le processus de producteur-consommateur en direct. Donc tu vas et c'est comme un distributeur automatique de café, par exemple. Tu mets ton argent et tu reçois une bouteille de lait fraîche. Voilà. Directement des producteurs. Remercier tout Casale et ses habitants pour leur accueil chaleureux et à une prochaine fois. Bien, au revoir. Une nouvelle aventure. On verra Amélie.